Salut les bichons, j'espère que vous allez bien, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. Bienvenue dans mon WC à l'atelier. Aujourd'hui, vous l'aurez compris dans cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer comment j'ai fait toute cette petite porte. Enfin, cette petite, déjà pas mal, hein. Allez, on y va. Bon les gars, nous sommes le lendemain matin, je vais démarrer la porte. J'ai déjà commencé pour m'avancer en off. De préparer les bois parce que bon, des phases de rabot d'égo, t'en as déjà vu pas mal dans cette vidéo. Je suis en train d'installer la toupie et je vais utiliser le disque à tenonner, voilà, pour créer une rainure au milieu de mes montants et de mes traverses. Et on va aussi utiliser l'entraîneur. Alors l'entraîneur, je m'en sers carrément quand je fais des gros plateaux ou des grandes pièces ou quand j'en ai beaucoup à faire. Mais si c'est des tout petites pièces, des tout petits plateaux, etc., je m'en sers pas systématiquement parce que c'est pas toujours facile de venir prendre la pièce avec de la régler et tout. Mais là, pour ce genre de choses, ça va être vraiment idéal. Petite précision, c'est-à-dire que j'ai décidé, parce que c'est une porte, je vais essayer de couper, de lui donner un angle. Bon, j'ai jamais fait ça de ma vie, je sais même pas si ça se fait. On va voir, on s'en fout, hein. Tu sais, on dit toujours quelque chose est impossible tant que quelqu'un ne l'a pas fait. Donc voilà, on va voir. Donc je vais essayer de faire une porte, mais par contre je vais faire une porte à cadre. Donc en gros elle aura une traverse basse, une traverse haute, une traverse peut-être pas centrale, tu vois, peut-être deux tiers, un tiers, enfin on verra. Et elle aura deux montants et au milieu elle aura des panneaux. Par contre ça va être du panneau droit standard, donc tu vois, ça va être ce genre de choses. Je casserai peut-être les angles, tu vois, pour faire un peu un effet volet, je sais encore pas trop, je vais voir. Et donc ce sera pas panoté et mouluré comme ça. Parce que pour le challenge que je me donne, c'est-à-dire faire une porte avec un angle, on va y aller coulos, hein. Ce sera déjà pas mal, et voilà. Ok ? Bon allez hop, c'est parti. Pile, je suis trop content. Bon les gars, alors je viens juste de décoffrer la porte et je suis super content, c'est encore une fois une réussite. J'ai regardé, elle est d'équerre, elle est nickel dans tous les sens. Je viens de lui mettre un petit coup de ponçage. Et bah voilà, toujours pareil pour un petit bricoleur, voilà, j'y trouve plutôt pas mal. Alors c'est une porte qui a un style un petit peu volet, qui a un style un petit peu campagne, mais c'est une porte que je vais essayer de faire à 45 degrés. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre le risque de la moulurer.
Je sais pas pourquoi, parce que je me suis dit après au moment des collages, eh ben il y aura tellement, tu vois, de... En fait, plus il y a de moulures, plus il y a de décors, et plus il y a de décors, t'imagines bien que là, si on fait une coupe à 22 degrés, à 40 degrés, etc., eh bien t'imagines bien que tout ça, va falloir que ça retombe en face. Et donc, en étant honnête, je me sentais pas le niveau de faire ça. Ce qui compte, c'est de connaître ses limites et c'est de rester humble en se disant « Bon, ok, j'ai un humble niveau, j'ai quelques machines, je ne les maîtrise pas toutes parfaitement, j'ai beaucoup, beaucoup de lacunes et j'en apprends tous les jours grâce à YouTube, grâce à des livres, grâce à des collègues, grâce à des mentors, etc. » mais j'ai soif d'essayer et j'ai le goût d'essayer de bien faire. Et je pense que ça, eh bien, cette approche autodidacte, elle m'aura suivi pour l'instant dans toute ma vie. Ça fait 25 ans que je suis dans le bâtiment et dans les trois quarts des métiers que j'ai appliqués, j'ai pratiqué et dans lesquels j'ai eu relativement de très bons résultats, eh bien, je me rends compte que les trois quarts du temps, j'ai appliqué ces méthodes de dire « j'ai pas la science infuse, mais je m'assois, je réfléchis, je suis pas plus con qu'un autre et au final, j'y arrive. » Donc, tout ça pour dire que l'expérience, c'est un grand mot. Parce que, en fait, même un homme d'expérience, rappelez-vous qu'un jour il est parti de rien. Donc l'expérience, elle se construit par les échecs qui du coup sont des apprentissages. L'expérience, elle se construit quand des fois tu passes 4 heures à faire un truc et puis que tu l'abîmes, tu le bousilles, bah là tu te dis bon ok, voilà j'ai trouvé une solution de ne pas arriver au résultat que je voulais. Voilà, ça fait partie des choses, des procédés logiques que je vous invite vraiment à ancrer dans votre cerveau. Et je vous invite, vous, à vous rapprocher de vos professionnels, de vos collègues, de vos copains, de vos artisans de village, de quand vous allez dans les foires et que vous voyez, je sais pas, des tourneurs. Je vous invite à leur poser plein de questions, mais je vous invite surtout à comprendre une chose, c'est que l'expérience n'est pas transmissible. Quelqu'un qui a de l'expérience peut vous donner des conseils, quelqu'un qui a de l'expérience peut essayer de vous inspirer ou de vous dire tiens là, je te conseille de pas trop faire comme ça, essaye de faire plutôt comme ça. Mais ce qui compte surtout, ce sont vos propres expérimentations. C'est le chemin que vous allez retirer de toute cette quête. Oui, ce sera peut-être pas la bonne manière, mais si à la fin vous arrivez au même résultat, voire peut-être mieux, ou en tout cas que ça vous a fait grandir et que ça vous a amené de l'expérience, eh bien ça aura pas été quelque chose fait en vain. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut cracher à la gueule de tous les bien-pensants qui vont vouloir vous donner des leçons, mais je vous dis simplement de prendre les conseils des gens, mais de garder toujours à l'esprit de dire... Voilà, rien n'est impossible, rien n'est impossible, et même si vous me regardez, vous êtes comptable, banquier, boulanger, et que demain vous dites « putain, j'ai envie de faire de la menuiserie », allez-y. Et vous allez vous planter, et quand je vous dis de la menuiserie, ça peut être de la plomberie, ça peut être de la maçonnerie, ça peut être n'importe quoi. Après, il faut juste faire très 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 attention avec les métiers qui sont normés et qui peuvent avoir des conséquences. Je pense par exemple à certains ouvrages de maçonnerie, certains ouvrages de plomberie, bien évidemment, touchez pas le gaz. Soyez très 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 prudent avec l'électricité, ne faites pas n'importe quoi. Mais pour toutes les bricoles finalement qui craignent pas grand chose, allez-y, foncez, faites-vous vos expériences et essayez de bien vous dire que l'expérience, on se lève pas un matin avec une illumination en disant « Oh putain, yeah, je suis un génie !» Je veux dire, tout ça, ça se construit et que moi, j'ai 25 ans dans le bâtiment et j'ai 40 ans cette année et que tous les jours, je me ramasse sur certains projets comme une daube et que tous les jours j'apprends et qu'il n'y a pas un jour où je passe dans cet atelier en me disant là je vais faire un truc, je suis sûr de moi. Les trois quarts du temps, soit je suis borderline, soit je me dis ah j'avais essayé ou j'ai vu faire quelqu'un il y a 10 ans. Expérimentez, allez vraiment au bout de vos idées et plantez-vous, cassez-vous la gueule et recommencez dans un seul but, de vous créer votre propre expérience. Ce que je fais là, c'est clair, c'est la première fois de ma vie que je le fais. Là, je suis sans filet, une porte avec un angle comme ça de 22,5 degrés, c'est la première fois de ma vie que j'en fais une. Donc, je vais essayer de faire ça, de la couper, de voir comment je peux la réassembler, de voir s'il y a besoin de renfort, pas de renfort, d'étudier le système de fermeture de charnière. Je vais essayer, ça marche pas, Eh ben j'en sais rien, je foutrais des anneaux avec un rideau. Non mais j'en sais rien. Si ça marche pas, j'aurai quand même les boules parce que là, ça fait presque une journée de boulot, hein, cette porte, mine de rien.
Eh ben, on y va, j'ai envie de dire on y va, hein. Allez, maintenant à cette blabla, go. L'angle, c'est 22,5 degrés. Alors c'est vrai, par contre, que dès que tu fais des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, je suis quand même bien content d'avoir un peu de matos. Même si, bon, je suis et je regarde plein de youtubeurs qui ont, dans le monde entier, qui ont pas tant de choses que ça. Quand je vois ce qu'ils arrivent à faire, je me dis vraiment que rien n'est impossible. À 29,7, ce que j'avais mesuré au départ. Bon, les bichons, j'ai presque plus de batterie, mais tu t'inquiètes pas, je vais tout te montrer. Ce que je vais faire, c'est je vais refaire mes coupes. Maintenant, ça va être la même chose. Et puis, je te reprends pour les assemblages et pour te dire à peu près où j'en suis et tout. Je te tiens au jus. Entre temps, je change la batterie et pour toi, c'est tout de suite. Allez, à toute. Bon, les gars, j'ai coupé ma porte. Je suis plutôt content. Ça s'est bien passé avec la scie à format. Là, par contre, ça va vraiment bien. Sinon, je pense qu'avec un rail Festool de 3 mètres et puis la plongeante, ça fait le même job, à mon avis. Peut-être un peu moins sécure, un peu moins facile. Mais je pense que ça se fait bien bridé. À mon avis, ça se fait tranquille. Je vais la réassembler. Et j'ai réfléchi un peu là en off, et du coup j'ai décidé de la réassembler avec les lamellos Clamex. Pas forcément la coller, tu sais, mettre le système comme j'aime bien, la démontable là. Donc tu vois, c'est ça là, le lamello. Tu vois, ce genre de choses là. Démontable, que tu connais maintenant, que tu as déjà vu dans mes vidéos. J'ai envie de faire ça pour deux raisons, et même pour trois raisons. Première raison, c'est très efficace. Deuxième raison, c'est simple à faire et à mettre en œuvre, c'est-à-dire que tu sais, il n'y a pas besoin de faire 150 000 calculs en disant putain comment ça va machiner. Et surtout pour moi, la raison essentielle, c'est que c'est auto-serrant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a clipsé et qu'on serre, ça va venir rapprocher les deux parties ensemble, ça va être auto-serrant. Et ça, c'est très intéressant pour moi, parce que tu imagines bien que si j'ai pas un système auto-serrant pour arriver à brider une pièce comme ça avec des serre-joints, avec un angle et tout. Eh bien, sauf le fait de faire des gabarits ou machin, ce serait vraiment, à mon avis, la PLS et je vais péter un câble. C'est une pièce qui est longue, il va falloir mettre des serre-joints dans tous les sens, je vais me faire super chier. Alors que si j'arrive à mettre des systèmes qui s'auto-serrent, eh bien, je résous le problème des serre-joints. Voilà. Donc, c'est parti, on teste, on essaye. Bon bah les gars, je suis super fier, c'est une réussite. Donc voilà la porte. Alors elle est pas fixée encore, hein, tu vois, parce que j'ai encore 2-3 ajustements à faire et tout. Mais voilà la porte vue de l'intérieur. Donc elle est super ajustée, ça a été une réussite totale cet assemblage avec les Clamex, parce qu'en fait ça me l'a vraiment resserré à chaque point. J'ai décidé d'en mettre beaucoup plus que ce que je pensais au début, et en fait ça a été vraiment une réussite totale. Sans appel, super content. Donc il me restera juste des petits bouchons à mettre ici au niveau des trous de serrage. Mais voilà, c'est vraiment une machine, depuis que je l'ai, qui est très très chère, hein, qui s'adresse absolument pas aux bricoleurs. Je vous mettrai quand même des liens dans la description pour ceux que ça intéresse, mais c'est vraiment un système d'assemblage depuis que je l'ai qui est extraordinaire. Voilà, absolument super bien. Donc voilà, et voilà de l'extérieur. Donc... bah comme tu peux voir, c'est relativement ultra propre. Alors, si peut-être la petite... pas la petite erreur, mais le truc qui fait un peu chier, c'est que j'avais pas vraiment, tu vois, réparti exactement mes panneaux. Donc ça fait que mes rainures en bas ne tombent pas pile poil avec les rainures d'en haut. Bon, tu m'en feras grâce. Donc il me restera 2-3 trucs à poncer, etc. Mais dans l'ensemble, bah voilà, c'est une réussite quoi. Je suis super content. Donc pour fixer ça, au début je m'étais dit tiens, je vais foutre de la charnière américaine. Et puis j'ai été voir. Et en fait, j'en ai pas, j'en ai plus. Et il me restait... à l'époque, quand j'avais commandé pour les volets de dehors, eh bien, il me restait des gonds de volets. Voilà. Il me restait des gonds de volets. Donc, j'ai été voir si j'en avais assez. Et j'en ai assez. J'en ai même encore. Je pense que j'avais fait. Quand j'avais commandé, j'avais dû me tromper. J'en avais commandé le double.
Donc il me reste des gonds de volet et donc je vais essayer de bricoler un truc avec ces gonds de volet. Alors côté de la porte ça va être ça. Donc bon bah c'est pas un souci parce que là ça va être joli, tu vois, ça va faire une jolie petite ferrure. Ça ira bien avec, c'est noir, c'est joli, voilà. Par contre côté gonds, eh bien ce qui fait chier c'est que j'ai que des gros gonds à visser comme ça là. Et ça bah ça me pose un souci d'abord parce que mes cloisons font 30. Donc t'imagines bien que bon bah voilà là c'est un peu niqué. Et en plus c'est de la grosse vis à bois, donc ça c'est vraiment fait soit pour être mis dans une cheville, tu sais, dans un parpaing ou dans un mur dans une cheville, ou pour visser dans un bois, mais tu vois vraiment comme ça quoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les couper, je vais couper ce filetage, et dessus je pense, je vais essayer de voir si j'en ai, je vais essayer de souder peut-être de la tige filetée de 8 ou 10 ou 12 en fonction de ce que j'ai, et comme ça je percerai de part en part. Et de l'autre côté, donc à l'intérieur du WC, je mettrai une rondelle et un écrou. Et voilà, MacGyver. Pas se mentir, c'est carrément badass. Donc alors voilà la porte, la fameuse porte. J'aurais jamais cru que j'allais y arriver. Et voilà, elle fonctionne parfaitement. Ta-na-na-na ! Ah putain, rien n'est impossible. Donc bien sûr, il me reste 2-3 ajustements à faire que je ferai en off. Là, elle plaque parfaitement de partout, c'est nickel. En bas, le jour, il est super régulier. Par contre, en haut, tu vois, je te cache rien. Là, on a un peu trop de jour et là, on est presque à zéro. Donc bon, il doit y avoir un petit problème quelque part, mais ça, c'est rien. Je vais détalonner un peu en haut, je la renlèverai, j'y remettrai un coup de rabot. Bon, bref, ça, je vais me démerder. Maintenant, finalement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ici, je veux faire une poignée pour l'ouvrir. Ok? À l'intérieur, je pense que je vais refaire aussi peut-être une poignée. Une poignée ici pour l'ouvrir ou j'en sais rien. À l'intérieur, tout à l'heure, je changerai l'objectif, je mettrai le grand angle. Tout à l'heure ou demain, c'est ultra spacieux, je suis content et tout. Et finalement, dehors, en étant honnête, ça ne m'empêche rien du tout. J'ai perdu zéro place. Je peux quand même ouvrir ma fenêtre, je peux la dégonder sans problème. On a fait des essais, il n'y a aucun problème. Il va falloir aussi que je réalise un petit système de fermeture pour quand on est à l'intérieur. Donc voilà. Bon bah je crois qu'on va se mettre tout de suite à faire ses poignées, tout ça. Oula, Jean-Michel Focus en action. C'est bon, attention, on se fait le point. On est au point, allez go!
bichons, le projet est quasiment terminé. Comme tu as pu le voir, j'y trouvais pas génial, tu sais, ces petits boulons, ces petits écrous qui dépassaient à l'intérieur, même si bon, ça gênait pas d'un point de vue structurel, on ne s'accrochait pas dessus, rien, mais je trouvais pas génial. Donc, j'ai tourné un petit manche en hêtre et puis j'ai fait des capuchons, dont deux capuchons porte-manteau. Alors, tu vois, donc en bas, j'ai fait un capuchon. Complètement standard, voilà. Et ici, j'ai fait un capuchon porte-manteau qui va pouvoir accueillir peut-être un sac ou une veste. Et un autre capuchon porte-manteau là-haut. Voilà, bon, je suppose que ça servira bien, mais ça me permet en tout cas d'améliorer un petit peu le concept et puis de pas laisser ces boulons apparents. Voilà, sinon le projet est impeccable. Donc tu vois, j'ai bien fait une poignée à l'intérieur pour fermer la porte. Ici, je me suis fait un joli petit loquet que personnellement, je trouve super bien, voilà. Toujours avec mes assemblages de bois que j'aime bien. Je vais essayer d'en faire un peu ma marque de fabrique. Hêtre et Itoba, donc tu vois, c'est plutôt joli. Et puis, bon, bah, ça fonctionne plutôt bien. Là, j'ai fait un décroché. Alors, j'ai fait un décroché ici et j'ai fait un décroché ici. On voit bien que c'est pas le même diamètre. Alors, pourquoi ? Parce que là, ici... Bon, c'est pareil, je sais pas si ça va vraiment servir, mais j'avais envie de me taper ce délire. Là, ici, en fait, je vais peindre le bout en rouge. Comme ça, quand il y aura une personne à l'intérieur qui va fermer, et bien sûr, le côté ici... on verra un point rouge. Et comme ça, on se dira, bon bah tiens, c'est occupé. La poignée de dehors est plutôt pas mal. Et puis, j'ai mastiqué un petit peu tous les trous, tu vois, que j'avais fait pour les vis. Ça se voit presque plus, c'est très discret. Donc bref, le projet est fini. Ce que je vais faire maintenant, la touche finale, c'est que je vais rubioter ça. Et je vais rubioter ça couleur chêne. Il m'en reste un petit peu, j'ai de la chance, alors ça va vachement foncer le bois, mais c'est pas grave, tu vois, voilà par exemple un essai ici. Pourquoi je vais faire ça comme ça? Eh bien parce que quand on regarde l'intégralité de ce mur au fond, le bas de la porte est rubioté chêne, tout le tour des briques où vient se poser la verrière est rubioté chêne, et même là-haut le petit châssis ouvrant de la verrière est rubioté chêne. Donc, ça me paraît logique de rubioté chêne, d'autant plus que la fenêtre à côté est un peu foncée. Donc comme ça, ça se fondra un petit peu plus dans la masse. Et puis, voilà. Donc, je vais pas vous mettre un accéléré ou une vidéo, parce que j'ai déjà fait des milliers de rubiotages sur... Enfin, des milliers, j'exagère, mais j'ai déjà vraiment rubioté pas mal. Donc, ce que je vous propose, c'est que... je vais faire ça en caméra off, ça n'amène pas grand-chose de vous le montrer. Et dès que j'ai fini, eh bien, je vous reprends, on fait un petit point complet sur la finalité du projet. Ça y est les bichons, le projet cette fois est définitivement terminé. C'est plutôt carrément chouette, je suis carrément archi content. Un beau projet, un beau défi que j'étais pas sûr d'y arriver. Et puis, toujours pareil, beaucoup de boulot, donc c'est un projet qui a traîné et tout. Voilà, je suis bien content de moi. T'as vu que j'ai mis mon petit point ici de rouge pour me permettre de faire un système quand on ferme, et bien qu'on voie que c'est occupé. Et puis, j'ai retrouvé un miroir d'octobre 2013 que j'avais fabriqué. On n'était encore pas dans cette maison. À l'époque, j'avais un atelier qui devait faire 10 mètres carrés dans un garage de ville. C'était l'horreur. L'horreur, et je faisais ce genre de petites choses là, tu vois, des petits miroirs sur caisse américaine assez jolis. Ça faisait depuis qu'on a déménagé qu'il était dehors sous l'abri, et je me suis toujours dit, pareil, si un jour j'ai le chiotte, eh bien, je l'installerai. Concernant le support de papier toilette, tu constateras, bah pareil, qu'il est un peu original, un peu sympa, et surtout qui date du concours des 50 000 abonnés. Alors à l'époque, c'est Thomas, tu vois, Thomas, je t'ai pas oublié, j'avais gardé ta lettre. C'est Thomas qui m'avait envoyé une petite lettre avec le support. Donc il me dit qu'il me suivait depuis, j'ai vu l'évolution de ta chaîne depuis les 15 000 abonnés. Garde le goût, ça fait plaisir de te voir évoluer et toujours autant kiffer de faire simplement ce que tu aimes faire. Moi et ma copine, on est arrivés sur ta page au moment de la maison en paille de Greg. On a aussi un projet en paille dans notre vignoble alsacien. Ça fait du bien d'en voir des comme toi qui ont le feu pour ce qu'ils font. Je kiffe mon taf, je kiffe mon travail.
travail un samedi sans tailler du bois et ça me manque. T'envoies ce support que j'avais fait pour le concours des 50 000 abonnés et puis voilà, il disait entre le boulot, j'arrête pas, la maison, enfin bref. Et Thomas, je t'avais pas oublié, merci beaucoup. Je m'étais juré quand j'avais reçu ton petit support de me dire bon bah j'attendrai d'avoir le WC pour l'installer. Voilà, le WC est fait, le support est installé. Bon, écoutez, les bichons, on a trop de blabla, je sais pas à combien de minutes de vidéo on en est, mais toujours est-il que ça y est, c'est encore un projet qui se termine. Là, faudra peut-être que je l'étudie, tu vois, un truc pour que la porte, elle reste fermée. Alors, soit je mettrai deux aimants, soit j'y laisserai juste comme ça, parce que c'est déjà le grand luxe. On dirait un peu un confessionnal, tu vois, ou alors les filles m'ont dit une porte magique, tu vois, qu'on pourrait retrouver dans Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Il y en a qui m'ont dit, on dirait des petites portes sur mesure qu'il y a dans des bateaux. Enfin, moi, je trouve ça assez marrant. Je trouve ça assez marrant. Et ce qui m'a fasciné, ce qui me fascine toujours autant, ce que je trouve le plus génial, c'est qu'avec ses mains et sa tête, on peut tout faire. Imaginez-vous bien que ça va sûrement m'enterrer. Et avant, c'était un arbre. Donc c'est ça qui est fabuleux, et quand je regarde tout ce mur, je me dis que c'est tout du vrai travail d'artisan sur mesure. On a un peu de menuiserie sur mesure, les cloisons sur mesure, la mezzanine sur mesure, les briquetages sur mesure, même le support du lavabo il est sur mesure. On a le poêle à bois que j'ai fabriqué qui est du homemade sur mesure. On a la verrière bien sûr, la porte de la verrière, le rangement de bois. Donc finalement le but de ma chaîne depuis le début c'est quoi ? C'est de vous montrer que quand on a envie, quand on a le goût et quand on est passionné par le travail de ses mains, de sa tête, l'artisanat, on peut tout faire. Pour moi, le vrai artisanat, c'est ça. Pour moi, je le dirai toujours, je défendrai toujours l'artisanat que j'ai dans le cœur, même si aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus sur les chantiers, vous le savez maintenant. Je consacre mon temps à la rénovation de ma maison et puis je fais des vidéos et tout et j'adore ça, mais je resterai toujours dans cette optique d'un artisanat français de qualité bien fait. Pour moi, un vrai artisan, c'est ça. C'est vous appelez un menuisier, vous lui dites, bah voilà, j'ai cette ouverture, comment faire? Ce sera un peu plus cher, ça va prendre un petit peu plus de temps, c'est normal. Mais ils vont vous dire, mais c'est pas un problème, madame, on s'adapte à toutes les situations. On va vous fabriquer un petit truc sur mesure aux petits oignons, et voilà. C'est ça que j'aime dans l'artisanat. Rien n'est impossible. C'est pour ça que je suis content de faire ces vidéos. Pour vous montrer que vous soyez professionnel ou pas professionnel, que vous ayez beaucoup de matériel ou pas beaucoup de matériel, quand on veut avec sa tête et ses mains, on est inarrêtable et rien n'est impossible. Gardez le feu et n'oubliez jamais les bichons, celui qui veut s'en sortir trouve des solutions, les autres trouvent des excuses. Je vous adore, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, ça fait toujours plaisir, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux, et si possible, du bon boulot, allez, yeah! J'y vais.